Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Franky. Aujourd'hui on est sur un petit tuto bien cool. Et écoutez, on va voir tout de suite derrière notre machine à gravel, qu'est-ce qu'on va faire. Allez, on fonce. Et ben voilà les amis, on va faire un petit tuto sur une machine. Et une machine à poulet, elle est là-bas. Donc, je m'excuse tout de suite pour le bruit. Il y aura un petit grésillement. C'est pas s'il y a beaucoup de poulets. Comme vous pouvez voir, je m'approche, je m'éloigne, ça grésille. J'espère que je réussirai à le supprimer. Je vais peut-être carrément faire comme ça, les amis. Je vais carrément supprimer les animaux hostiles parce que là, ça grésille sur le. Ça grésille. C'est pas bon. Là, c'est mieux. Voilà, là, c'est mieux, les amis. On n'entendra pas les petits poulets qui font côte, côte, côte. Mais je traite toute la merde. Alors, c'est une nouvelle petite machine. La poulet, elle est tirée de la base est tirée de mon let's play le mode grange. C'est une nouvelle, un peu modifiée. Donc c'est une 100% automatique. Une 100% automatique. Là j'ai mis en fonction, comme ça marche, comme vous pouvez voir. Il y a de la plume et il y a du poulet. C'est uniquement une machine à la lave, donc c'est uniquement du poulet cuit. Et écoutez, on va voir comment ça se passe derrière, tout de suite. Tout de suite, allez. Et ben voilà les amis, on est sur ma petite machine à poulet. Alors elle est pas très profonde, hein. Vous savez qu'elle est... prend pas beaucoup tant de place que ça. Et pas énorme, et de largeur fait. Donc hors système, vraiment hors système, ça fait quoi? Un bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 7 de large. 7 de profond du moins, et puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, à peu près 12 de 12 dans la 12 de large, donc c'est très bien. Bon, on pourrait réduire ici, hein. C'est vrai qu'il faut quand même laisser un espace qui n'a pas de slime block qui colle à notre tour d'inverseur qui allume tout le système. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors comment ça se passe? Nous avons 4 compartiments. On va commencer par dessous, c'est plus compliqué, c'est plus par dessous que ça se passe. Nous avons ici l'emplacement. C'est le petit poulet. Il y a ma machine qui a eu des fuites par moment. Nous avons un petit emplacement ici où se trouveront les petits poulets pour griller. Donc il y en a deux, un de ce côté et un de l'autre côté. Deux dispensers, donc bien dispensers, pas des droppers, celui-là et celui-là, qui est relié à deux compartiments de poulet qui est ici, un là et un là. Donc là sur le coup ils sont reliés avec des hoppers et on peut partir un peu plus dans la longueur, on peut élargir encore, mais il faut se méfier que les slime blocs ils sont là et qu'on peut mettre un bloc qui va se coller dessus, c'est pas bon. Donc on pourrait décaler au pire, bien entendu c'est possible, tout est possible. Donc nos petits poulets ils pondent là sur nos petites dalles. J'ai mis des dalles parce que les poulets dans les posés sur les hoppers, quelquefois ils sont mal à la patte ou je sais pas ce qui se passe, mais quelquefois ils claquent. Donc là il n'y aura pas de souci, les œufs passent dedans et hop ton système avec notre petit comparateur relié à nos répiteurs qui vont au dispenser. Et ça passe, ça marche tout seul. Quelle que soit la quantité qui va tomber dans les hoppers, le dispenser va tous les renvoyer. Tout simplement parce que le comparateur va envoyer un signal au dispenser. Non, le dispenser attitré. Et avec le répéteur collé au dispenser. Car si on met un bloc de contact, on pouvait faire un circuit du style, on met un bloc ici. Et là, on faisait un circuit différent, un dispenser qui envoyait dans le bloc qui aurait fait contact avec le dispenser, ça bloque à un moment donné. Donc là, si on fait comme ceci, quelle que soit la quantité qui va arriver une fois d'affilée dans le système, ça va le renvoyer systématiquement. Donc il n'y a aucun bourrage possible là-dedans, on peut mettre autant d'œufs que vous voulez. Si vous voulez, on va faire l'essai tout de suite. Je vais vous démontrer ça tout de suite, c'est tout simple. Alors les œufs, ils sont là. Un stack de 16, je vais mettre dans celui-ci, hop, tac, et là, pouf, pouf,
ça part, il n'y a aucun blocage. À aucun blocage. Donc là, on est OK. Donc ce système-ci, c'est, il y a 4 modules, on va dire. Le module, c'est ça, tac. Donc le dispenser avec les hoppers de réception des poulets, là en haut, qui envoient sur ce là, qui sont le barbecue. Donc 4 modules, un là, un là-bas, et un là-bas. Comme vous avez pu voir ici, il y a notre allumeur de barbecue, donc avec 2 blocs de redstone collés à des slime blocks, à un stick piston. Sticky piston collant. Et puis c'est parti mon kiki, ça marche tout seul. Je sais même pas si ça vaut le coup de mettre du collant, parce que ça fait que le slime block ça colle. Jamais essayé en fait. Bon, ben, on prend pas de risque. En tout cas, ça marche. Donc, il y a un allumeur de ce côté-ci pour ce dispenser. Donc, c'est tout des dispensers. Il n'y a pas de dropper là-dedans. Donc, il faut bien que nos blocs de contact pour allumer les dispensers, faut bien que nos blocs de redstone soient collés au dispenser en direct. Donc, il y en a un là. Il y en a un là. Pas de problème. Et tout ça est commandé par un minuteur qui est là en dessous. Minuteur hopper normal, j'ai mis 5 stacks de 64, pas de problème, les minuteurs c'est tout bête, hein, comme d'hab, avec un stick, 2 sticky pistons, avec un bloc de redstone, ça se rétracte, ça s'allume. Notre contacteur qui est ici, ça envoie un signal, comme ceci, ça part dans notre tour à item, dans notre tour avec des inverseurs, tac tac tac, ça part là. Ça allume tout le monde et c'est réglé. Voilà, nous avons notre petite machine à poulet automatique à 100%. Une fois allumée, vous n'avez plus besoin de revenir. Il y a même des œufs qui sautent de la machine, c'est super. Et là, comme vous avez pu voir depuis tout à l'heure, on peut faire une bonne trentaine de poulets par grillade. C'est pas mal. Là, j'ai bien blindé à mort, mais à un moment, il sature, s'il y a trop. On va dire, et il y en a qui claquent, mais bon, c'est pas grave. Là, logiquement, il n'y a plus de soucis, tout est OK, tout est OP. Donc les amis, donc je vous ai démontré cette machine, il n'y a pas de soucis. Bien entendu, on peut, si vous voulez, à un moment donné, arrêter de faire de la grillade et récupérer juste les œufs, donc avec tous ceux qui seront ici, sur les dalles de réception qui sont ici, si vous, qui seront grands, si vous voulez, qui... Récupérer des œufs, faut juste avoir un bouton pour bloquer le minuteur, tout simplement, pour plus qu'il envoie, pour plus que le barbecue s'allume. Donc vous mettez un levier, vous le mettez ici, vous verrouillez, et le minuteur, ça, il va s'arrêter, n'est-ce pas le poulet? Tu suis bien là, tu suis bien le tuto, hein, fais pas le con, hein. Je le remontrerai pas deux fois. Hein. Donc vous pouvez faire ça pendant un petit moment, pour si vous voulez vraiment faire un petit stock d'œufs. Et puis écoutez, c'est pas trop mal, et les amis, je vais vous démontrer, je vais vous faire le montage, je vais vous faire le montage rapidement d'un des éléments, construction, d'un des éléments, ou même de tous les éléments. Et écoutez, on y va tout de suite. Allez. Allons-y les amis, alors qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de dispenser, ça c'est logique, du hopper. Du sticky piston. Petite chest. Ça attrape peu de chest, mais bon, c'est pas grave. Hopper, nous avons de la redstone. Comparateur. Repeater. Et on est bon. On met un peu de jour, s'il vous plaît. Toc. C'est un peu plus clair. Alors. Comment se passe le système habituellement? On va le faire un peu en hauteur, parce que là, le sol est trop. Le sol est trop bas. Je vais prendre un petit bloc sympa. Style. Chaque fois je veux un petit bloc, mais j'ai jamais lequel. On va prendre du bois, tiens. Hop. Alors, on va monter ça. Bon, d'habitude, moi je commence toujours par le module de réception. Donc. Avec un autre petit chest. Toujours par le centre de la machine, on tire une rangée de hoppers
suivant la profondeur de la machine et l'emplacement du chest, bien entendu. Et voilà. Donc, sur ce système-là, donc il y a bien un espace de... Que je ne me dise pas de bêtises, il y a bien un module, il y a un bloc en plein milieu, parce que on peut pas faire un module avec plusieurs blocs à l'intérieur pour le barbecue, ça va pas. Utiliser un seau de lave, ça ne va pas non plus. Donc on fait toujours, moi je fais toujours avec quand même un emplacement pour mettre nos poulets. Alors, le bois ça m'embête, le bois j'ai pas envie de mettre du bois, on va mettre du... On va mettre des midales de Netherrack pour les machins. Tac. Et on va prendre un peu de... On va faire les riches, on va prendre du diamant. Bloc de diamant. Alors, je m'excuse, je commence déjà. On va déjà mettre les dalles. Tac, tac. Là, on est bon. Là, on est bon. On ferme ici le compartiment. Nous allons mettre maintenant, il faut que je mette une base pour pouvoir poser les dispensers. Tac, dispenser. Alors, un dispenser ici qui va s'occuper d'un compartiment. Un autre là pour un autre compartiment. Ici. Et ici, voilà, on est, ça se présente comme ceci. Donc ça, je peux l'enlever maintenant, il n'y a pas de problème, nos dispensers sont posés. On est au pays. Comme se présente la machine, notre système doit partir sur les côtés. Car il n'y a pas beaucoup de... Il faut vraiment que le système soit bien implanté comme ceci, parce que... Après, pour la redstone, c'est compliqué pour pouvoir mettre vraiment un circuit adéquat pour que les dispensers marchent correctement. Donc, c'est, ça prend, il y a des petites places en perdition. Mais bon, c'est pas trop grave. La place, il suffit d'en faire s'il y a besoin pour pouvoir mettre notre système. Donc, on n'est pas trop limité en place. Après, mettre dans une maison, faut bien calculer la place pour mettre quoi. Les systèmes de retour, de renvoi d'œufs sur nos dalles ici, par les dispensers qui sont ici, il faut vraiment que ça soit ce système-ci. Enfin, s'il y en a des plus efficaces, je sais pas, j'ai essayé avec des torches, j'ai essayé avec pas mal de choses, mais malheureusement, manifestement, nous devons quand même rester avec nos comparateurs qui sont collés à notre dispenser et le retour de... le retour de la redstone doit se faire directement aussi dans ce dispenser lui-même en direct et non avec un bloc ou une torche ou je sais pas quoi d'autre. J'ai déjà fait le test pour essayer de gagner de la place et du matériel, mais ça ne marche pas malheureusement. Ça ne marche pas. Il y a du. Ça marche. Ça marche, mais ça a bourré. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Mais bon, ça c'est pas non plus. Pas non plus des places énormes sur système. Donc on peut faire comme ça, les amis, on peut faire comme ça, tac, tac, donc le système là, c'est relié, c'est tout simple et tout bête, c'est vraiment un système super cool, super simple et super efficace, pour un renvoi de nos neufs dans le système, donc là on est bon, donc ça je pourrais même l'enlever, tac, 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 donc là notre système marche, je vais virer ces deux là, voilà. Le système se présente comme ça, en premier lieu. Donc ça, c'est notre tour des œufs. On va prendre du vert bleu. Comme ça, on voit bien. Du vert bleu bleu. Vert bleu turquoise, j'ai pas. Celui-ci. Pas du chest, je l'ai choisi, j'ai plus besoin du chest. Alors, la suite, les amis. La suite. Nous avons notre petit système qui est ici. Maintenant, on va se faire... Le dispenser d'envoi de lave, car il y a bien un emplacement bien spécifique, et après on fait la réception, l'emplacement pour les
les poulets qui vont pondre ce pour notre machine. Alors on va faire comme ça, oups, tac, tac. Donc, un bloc de plus pour le dispenser du dessus, bien entendu. Donc il y en aura un. J'ai cassé, j'ai pas cassé le monde, bien entendu. Fringy, tu fais encore des conneries. Donc du dispenser. Après, ce système-ci peut être dupliqué en double ou en truc, peu importe. Hein. Après, il suffit juste d'avoir des convoyeurs de. Un convoyeur unique d'œufs, bien plus bas, et des hoppers qui vont descendre dans ce convoyeur. Ça, c'est, on peut le faire à double, à triple, autant que vous voulez, suivant le matos que vous avez, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on va mettre le communicateur, le système qui envoie de la lave. Donc, nous avons ça, il nous faut du bloc de slime. Le bloc de slime, il est pas par là. Le bloc de slime, il est là. Non, si, il est là, tout à fait. Donc, le peur, j'enlève. Et voilà. Alors, faut le faire avant. Alors, tac, on met un là, un là. Un là, vous allez me dire, Fringy, ce bloc, dès qu'il va descendre, il va allumer tout système. Bon, c'est pas grave. S'il y a quelque chose dedans, il sera déjà parti. C'est pas grave du tout, franchement. Ça ne mange pas de pain. Donc, mettre le système avant les sauts de lave. Ça, dès qu'on met le bloc, ça va nous envoyer la lave. Oups. Ça, forcément, Fringy, c'est ce qui risque de se faire. Pendant que vous êtes en train de construire votre machine, et puis c'est pas de bonne chose quand même. Ça peut créer un accident. Si vous l'avez fait en coton ou en fer ou en bois, comme moi, la base c'est du coton, là, c'est de la base que j'ai construit. Et ça a foutu le feu au système. J'ai dû vite essayer d'éteindre. C'était un peu ambigu. Donc voilà, le système il est ok pour ça. Donc on va pouvoir faire les compartiments. Les poulets qui sont ici. Les poulets mères. Les papas et les mamans qui envoient des non-œufs. Donc j'ai besoin de hoppers. Ça, j'en ai plus besoin. Donc la réception des poulets sont de toute façon ici. 4 compartiments, 4 hoppers. Voilà. Et on va décaler le système. C'est à peu près du système du dessous, mais ça risque rien. Ça risque rien. Donc on peut faire comme ceci. Faut pas que ça soit trop près. Si on fait ce système là, c'est bon. Les blocs pour fermer, la fermeture, c'est bon. Ou au pire, si vous voulez. On peut le faire à double, hein. On peut le faire même à double. Décaler, hein. C'est pas un problème, on peut le faire. Celui-là, on va le faire à double. Voilà, c'est devant. Y a pas de problème, hein. C'est juste qu'il y a une quantité de hoppers. Hein. Les connecter comme il faut, on est bon. Pour ceci, et là, on va faire. On peut le faire comme ceci. Oups. Celui-là, on peut même le décaler d'un hopper de plus. Si vous avez assez de hoppers, y a pas de problème. Et puis là, on peut faire un compartiment énorme. Voilà, on va mettre ça. Allume un peu la lumière, les amis. J'adore mes commandes blocs. Je ne peux plus m'en passer. Et puis là, pareil. On va faire le même circuit. Ouais, les reliers ensemble, je vois pas l'intérêt. C'est vite que les poulets se marchent dessus. J'en ai mis combien là, de l'autre côté? 2, 4, 5. 5, hein, j'étais généreux sur ce coup-là. 3. 5 et voilà. Alors on va faire la finition. Moi je mets quand même les dalles, c'est quand même mieux pour éviter que les poulets se fassent de bobo aux petites papates. Sans empêchant rien. Efficacité des hoppers. Et on a bientôt fini. Donc c'est exactement la même, sauf que j'ai juste des compartiments différents de réception, du moment que ça ne communiquera pas en bas. Oups.
et ça ne te posera pas de problème par rapport à ce système-là. Parce que là, comme vous pouvez voir, bon, ça je l'enlève, qu'on va mettre nos blocs. Si le compartiment est trop loin, ça va faire ça, et dès que ça va ouvrir, ça va tout casser. Enfin, c'est pas que ça va casser, mais il peut y avoir des fuites de poulet, ce qui peut arriver. Comme vous avez pu voir en bas, c'est un peu l'invasion, il y en a partout. Tu ouvres un compartiment par erreur, et ils sont tous barrés, malhonnêtes. Et puis vous fermez. Donc vous pouvez fermer avec du verre ou d'autres blocs. Hein. Moi j'aime bien pouvoir voir les bestioles, c'est marrant. J'aime bien voir comment ça se passe, j'aime bien voir comment tout se passe dans ma machine. Donc on met du verre. J'aime bien ça. On peut voir des trucs qu'on peut voir, on peut voir à travers, c'est marrant. Je m'excuse. Alors, il ne faut pas oublier de fermer ici. Tac. Là, on ferme carrément là. Il n'y a plus de problème. Tout est bon. On ferme ici. Voilà. On va vraiment finir de fermer là. Ça, il n'y a aucun problème de fuite de bestioles. Là, on peut finir de cloisonner ici. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, les amis, parce que j'ai fait l'erreur que j'ai fait, moi, c'est de prendre le saut. Mettre là à la place de ça. C'est de remplir la machine avant. Car une fois qu'on a tout fermé et qu'il y a des poulets dedans, je voulais prendre deux sauts sur le coup. Je n'ai pas réussi. J'ai dû casser. Puis il y a des fuites de poulet. Des fuites de poulet. Donc là, on est d'accord. Le système, il est prêt à fonctionner. Une fois qu'on ferme tout, si on ferme pas, on arrive plus à mettre notre petit saut dans notre machine. Et ça, c'est un peu compliqué. Une fois qu'il y a déjà des poulets grands. Donc, n'oubliez pas de le faire quand même, juste avant de tout fermer. Avoir un accès, mais bon, c'est vrai qu'un accès, il faut qu'il y ait les dispensers là. On pourrait peut-être avoir un accès en dessous. Non, parce que si on fait un accès en dessous, oui, ouais. On fait un accès en dessous, il y a des poulets qui pourraient se barrer par-dessous. Donc c'est bien de le mettre quand même avant de fermer tout le système. C'est mieux. Ça évitera pas mal d'embrouilles. Voilà. Ferme ça. Là aussi. Il n'a pas forcément besoin. On ferme tout ça vite fait. Ça prend du temps à fermer tout ça quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? On est ok. Est-ce qu'il y a une fuite quelque part? Qu'il y a une fuite quelque part? Non. Donc ici on peut faire tac 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 tac. On a notre petit bloc. On n'oublie pas de mettre le circuit de redstone là en haut pour l'allumage du barbecue. Donc ici on va essayer de faire dans l'axe comme il faut du les adversaires avec le minuteur, on va essayer de le faire dans le bon axe pour éviter que donc si je fais ça on peut mettre là le minuteur, le répiteur. Voilà, faut quand même un bloc quand même parce que autrement ça va toucher quand même le système, ça risque de conflictuer avec le système du dessous. Donc ça je peux l'enlever, ça je peux le remettre, tac, on met un petit bouton, on voit si tout fonctionne. Paf. Ah, le piston du fond qui est resté bloqué. Pour quelle raison il est resté bloqué?
Un truc qui est resté bloqué pour quelle raison? Pourquoi il est resté bloqué ce con? Alors là les amis, je comprends pas pourquoi il est resté bloqué. On va refaire. Alors on va envoyer un coup. Justement il y a un truc qui bloque ici. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Fringy, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a pas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Le signal a pas l'air d'être assez fort. Bon, écoutez, vous savez quoi, les amis? On va mettre un repeater. Je sais pas pourquoi il bidouille le machin, mais. Pourtant, ça marcherait bien de l'autre côté. Je comprends pas là par contre. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est bloqué? Les amis, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Bon, peu importe. Écoutez, on va mettre du poulet rapidement. Pas que ça traîne trop. Donc le poulet, c'est celui-là. Poison de poulet là-dedans. Tu es 60, si tu tombes t'es mort. Donc, je te conseille de sauter quand même dans la machine là, mes poulets. On met à foison. On met à foison du poulet. Qu'est-ce que t'en penses? Mais arrête de me regarder comme un brooch. S'il te plaît. Et après on se fait le minuteur et puis la machine sera terminée. Je vais regarder entre temps comment... Pourquoi le système se bloque au bout. Attends, ça marche très bien. Un problème de... Un petit problème. Bon, mais beaucoup de poulet. Hein. Enfin, ça, c'est une usine. Hein. Là c'est une usine. Hein. Là, les amis, je peux vous dire c'est une usine. Hein. Non mais du poulet a plus savoir quoi faire, on va bouffer du poulet reste de notre vie avec ça. Alors reste de notre vie, là, lui tombe. Les poulets sont contents, ils sautillent à leur petit compartiment. J'ai fini de mettre ça. Et on se fait notre petit minuteur. Hopper. Et tout ça sera terminé. Vous pourrez manger du poulet autant que vous voulez. Je reviens tout de suite. Voilà les amis, on va faire le petit minuteur. Et j'ai remarqué, j'ai compris pourquoi ça marchait pas. Bah, c'est vrai que le contact est rapide et la source est ici. Mais souvent, quand ça bloque ici, c'est un problème de bot switch. Donc j'ai pas fait tuto là-dessus, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. C'est très 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 intéressant de voir comment ça marche. Donc là, il est réinitialisé et il est verrouillé. Pour quelle raison? Parce que... Faut le réactualiser, mais pour le réactualiser, on peut mettre un bug dessus. Et ça le réactualise alors qu'on n'a rien touché. C'est un bug switch. Ah, je peux parler de verbe parce que il y a des poules. Mais c'est pour ça que. Et là, vu que le bouton qui est là, il est lié au piston, ça marche. C'est pas si un problème de piston, un problème de boot switch. On ferait ça logiquement.
Ça devrait faire tout de suite l'affaire. Une fois quand ça, quand les pistons sont assez, quand même, c'est quand même un matériel assez spécifique. Et c'est vrai qu'il peut se convertir en pas mal de choses. Et quelquefois il se bloque. Il se bloque toujours. Je comprends pas pourquoi il fait blood switch ce coup-ci. Mais bon, sur la machine ça marche, donc je comprends pas trop. Bon, écoutez, c'est pas trop grave, hein. C'est pas trop grave. Il doit avoir un problème avec un des blocs qui est aux alentours du style celui-ci. Mais pourtant l'autre système il est bien comme ça. Bon, peu importe, ça marche de toute manière, les amis. Ça marche de toute manière. Alors on va faire le petit minuteur. On va le faire par là-dessous. On va descendre une tour. Une tour de. On va faire des inverseurs. Tour inverseur, on va dire. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais. C'est des inverseurs, c'est sûr. Avec les torches de redstone. Tac. Tac. Il nous faut des torches. Hop. Et on va mettre ça tout de suite. Tac, tac, tac. Ah, c'est très bien, ça marche pas parce qu'il y a. Faut qu'il soit éteint en haut. Donc là, on n'est pas trop trop mal. Parce qu'on est assez haut. Bon, on va pas faire trop. On va pas prendre de risques, les amis. On va le faire suffisamment bas pour pas avoir d'embrouille avec notre petit tortue redstone. On a de quoi faire. Voilà. Donc celui-là, il est là. Alors, on va partir sur du plat à partir d'ici. Voilà. On va se mettre un petit hopper ici, comme ça. Tac. L'autre, on va le planter dedans, on l'enlève, on le met face à face, deux hoppers face à face, on est ok, rip, un comparateur de chaque côté, un bloc, tac, qui va faire le contact, tac, là, on va refermer ici, vous pouvez mettre, pour ce système, c'est mieux de mettre le bloc de redstone contre, sur les côtés, on peut le mettre par-dessus, style ceci, yep. Avec nos petits pistons qui sont ici. Je vais l'enlever. Voilà. Là. Ici, on met notre petit bloc de redstone. Notre poudre de redstone. Et là, c'est ok. On est d'accord. On peut faire ce système-là. Moi, je préfère. Pour le besoin de la machine, il nous faut. Il faut que notre système, faut qu'il s'arrête. Tac, voilà. Pour notre système, on a besoin d'un bloc qui est sur les côtés. Pour qu'on puisse faire le contact. Alors, même effet, on met pareil, piston, sticky piston. La poudre, on la met ici. On va remettre le petit bloc. On est d'accord. On est d'accord. Reste là. Voilà. Maintenant, nous allons faire notre petit contacteur, donc. Petit circuit tout bête. Tac. On a un petit repeater pour le retour, pour l'envoi. On peut mettre de la redstone, mais moi je préfère mettre un repeater, je préfère. Ici, nous cassons, on met un sticky piston, paf. Qui va faire le contact. Donc, une fois que le bloc de redstone est là, ça va allumer. Le signal va partir quand même, non? Note. Je mets un ou deux tics. Un petit coup de. C'est pas un problème, c'est pour que le signal parte bien comme il faut. Il n'y aura qu'une impulsion. Donc, comment ça marche? C'est un bot switch aussi, il me semble. Je vous confirme pas. Mais j'ai. C'est un peu le même système, on va dire. C'est à peu près le même système. Donc, une fois que le. On va le mettre à position de l'autre côté. Une fois que notre bloc de redstone va se mettre là, ça va allumer. Vu qu'il est contact sur ce bloc, ça va allumer le stick piston qui est en dessous, vu qu'il est accroché à ce bloc. Le signal va ça va allumer, le signal va passer quand même. Mais une portion de seconde. Donc si vous voulez que ce soit un peu plus long, on va mettre un petit tick là en plus. Et ça envoie qu'un signal. Donc ça, c'est vraiment le système le plus cool pour pouvoir envoyer un signal. Un signal, une impulsion.
tout simplement. Et puis, bah, écoutez, ici, on évite de aller trop près de la redstone, hein, du minuteur. On va faire comme ceci. On met notre petit repeater ici pour qu'ils envoient bien dans le bloc. Puis pour qu'ils nous retournent le signal comme il faut. Tac, 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 tac. On fait un petit boui-boui. Je ne sais pas si dans ce sens-là ça marcherait aussi. J'ai pas essayé en fait. Si on mettait, mais je crois que si, il me semble. Parce que du moment que le signal part dans le bloc il va disperser le signal partout. Je l'ai pas vu. Donc voilà, encore un. On peut faire comme ça aussi. Hein. On peut envoyer un double signal, même un triple signal avec un repeater de l'autre côté. Et puis bah écoutez, ici les amis, notre système est fini. On met ça là, paf. On va choper du bloc. Donc ça on va éviter. On va choper du bloc. Le stack 1. Le 3. 4, 5, on met ça là, 1, 2, 3, 4, 5, et puis voilà, votre minuteur est parti. Et écoutez, votre machine à poulet, elle est terminée. Voilà les amis, j'ai fait une petite modif, j'ai mis un petit répéteur ici pour déverrouiller ce piston. Car il faisait un problème d'actualisation avec Serbot Switch. Donc ça posait un problème de réactualisation. Maintenant ça marche. Le minuteur j'ai déjà construit. Je vais vous démontrer. Donc j'ai fait une tour. Une tour. À torche. Donc c'est des inverseurs. Minuteur tout simple. Tout bête, tout bête, tout bête. Deux hoppers dirigés l'un vers l'autre. Deux comparateurs de chaque côté. Un bloc de contact de chaque côté, trait de redstone de chaque côté, piston tick avec notre bloc et notre repeater est terminé. On est rempli à fond. Pour le contacteur, c'est je sais pas si on peut construire, c'est je sais pas si un RS hors latch. Je n'ai plus de nom précis dans la tête, mais c'est un impulseur, je sais plus, je vais pas vous dire le nom, parce que je n'ai plus en tête. C'est tout simple. Notre repeater va envoyer un signal dans le bloc qui va activer le piston, qui va le remonter direct. Donc le signal va passer dans le bloc, il va renvoyer sur ce repeater le temps de quelques secondes. Une seconde, le temps de l'activation. Tout simplement, et ça enverra un seul signal qui va allumer toutes les torches, qui va allumer les barbecues, c'est terminé. Dès que le circuit se fait à chaque fois, c'est totalement automatisé. Le minuteur marche tout seul. On n'a plus besoin de venir faire quoi que ce soit ici. Il suffit juste de venir récolter son poulet grillé et les plumes. Il n'y a plus de problème de bourrage les amis, tout est ok, tout est OP. Et là on a des morts. Je viens de mettre les poulets donc ils sont pas encore grands donc c'est normal qu'il y ait que encore rien de tout de spécifique. Pour vous démontrer comme quoi c'est en cuit, là ceux-là ils sont grands donc à la limite je peux faire ceci. Floup. Aigriguement. Et logiquement, ça finit là, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne finit pas là. Serais-je planté dans le. Ah, peut-être trop mètre carré hein, en fait. Je crois qu'il y en a peut-être un peu trop mètre carré, les amis. Je vais mettre un levier carrément. Tu vois pourquoi il crame pas. Bon, les amis, c'est un petit problème de ban Minecraft. Je crois qu'il y a trop de poulets au mètre carré. Là, comme vous pouvez voir, la lave leur tombe dessus. Donc, ils sont obligés de cramer, c'est une certitude. Donc, voilà, notre machine est terminée, les amis. Tac,
J'espère qu'elle vous sera utile. Elle est pas mal cette machine, elle est vraiment sympa. J'ai un bon petit système de. Un bon barbecue à poulet. Pour une bonne quantité de bouffe. Pour pas avoir ce problème. Automatique à 100% avec notre minuteur en dessous. Il n'y aura plus rien à faire. Comme j'ai dit, si vous voulez des œufs, vous bloquez le minuteur. Vous mettez un levier sur ici ou là, peu importe. Vous bloquez le signal. Et à un moment donné, il y aura un tas de là-dedans pour faire d'autres choses, bien entendu. Donc, mes chers amis, on va voir celle-là, elle marche, il n'y a pas de problème, hein. Ça marche même presque trop, et je crois que j'ai dû casser un truc dans mon système parce que il n'envoie plus de signal. Non, c'est pas, il n'envoie plus de signal, j'ai bloqué, donc c'est tout à fait ça. Donc là, j'ai bloqué le minuteur, là. Comme vous pouvez voir, les amis, déjà il y a blindé d'œufs. Donc c'est bien, ça marche, c'est nickel. Donc je vais rallumer ça. On va se poser là. Et on va vous dire merci d'avoir suivi ce tuto sur ma machine à poulet, nouvelle version. La maxi et la semi-maxi. Totalement automatique à 100% pour du poulet grillé. Pour tous les jours, tous les soirs, tous les matins, il n'y a pas de problème. Avec le petit levier. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et à mon prochain tuto ou sur mes let's play. Et faites pas les fous, les amis. Et puis tchou! Allez, salut à tous!